Depuis quelques jours, de nouveaux pensionnaires sont arrivés au parc des Cities. Aujourd'hui, ils vont découvrir leur nouvel enclos. Alors, les 9 femelles viennent du parc de Biotropica qui est situé dans l'Eure. Le groupe est dirigé souvent par une femelle dominante. C'est toujours la femelle qui décide dans le groupe. Elle choisit un mâle, mais ici sur notre parc, il n'y aura pas d'accouplement, il n'y a pas de mâle pour l'instant dans le groupe. Ces célèbres petits mammifères d'Afrique sont de redoutables guetteurs et sont bien souvent surnommés les sentinelles du désert. La sentinelle, c'est elle qui va protéger le groupe de tous les... qui va surveiller pour avertir le groupe en cas de danger, style rapace ou autre chose. Par ici, c'est plutôt des rapaces, ici en France. Mais c'est elle qui va donner un cri d'alerte pour dire à tout le monde de se cacher et de se planquer. Elle a vu quelque chose. Le but d'intégrer le suricate dans cette partie du parc, c'est de faire un enclos de mixité avec le porc-épic, sachant que le porc-épic est un animal plutôt crépusculaire et nocturne, donc il vit plutôt la nuit, et la journée rend l'enclos plus vivant qu'un groupe de suricates. Une première pour le parc des Cities, ouvert tout l'été, de midi à 19h.